trop bien. Frère, qu'est-ce que ça, frère? Qu'est-ce que j'ai, frère? Allez, go, 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 go. Je fais ramadan, frère, tu me dis qu'est-ce que j'ai? What's up, les Khayos? J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Bon, les Khayos, alors nouvelle vidéo, là on est dehors. Donc, bien sûr. On est dehors exceptionnellement. On est dehors exceptionnellement parce que voilà. Faut rester chez soi, c'est le confinement. Faut rester chez soi, c'est le confinement. Bien que là, depuis tout à l'heure, on est dehors, on est en train de péter un câble, il y a tout le monde dehors. Ouais, c'est vrai, c'est ça. À croire, c'est le déconfinement. Donc, je tiens à préciser, on est le 1er mai, là, à l'heure où je tourne la vidéo. On est le 1er mai, donc voilà, fête du travail, férié, etc., etc. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis tout à l'heure, on est en train de rouler. Et il y a tout le monde dehors comme si c'était un jeu. Ben, je pense comme que... si on n'était pas, en confinement. Ouais, je pense qu'ils pensent qu'il n'y a pas de contrôle parce qu'on est le 1er mai, donc c'est la fête du ouais, travail. Sûrement, donc, les gens, ils ont déjà, ah, ben, vas-y, on va sortir, il n'y a personne qui va nous surveiller. Ben, dites-nous dans les commentaires s'il y a des policiers qui contrôlent, etc. Si le 1er mai, vous n'avez pas contrôlé ou si vous n'étiez pas en service. Le 1er mai, hein. Enfin, bref, comme le titre de la vidéo le dit, je ne vais pas vous faire durer le suspense trop longtemps. Là, on se dirige dans un petit parc où il y a des bars pour faire des tractions, donc une espèce de parc street workout, on va dire. Et là, on va se lancer le challenge. Enfin, on va pas se lancer. On va faire le challenge 500 tractions en une heure ou en moins d'une heure. Nous, on espère le faire en moins d'une heure. Mais l'objectif, c'est de le faire en une heure. À savoir, il y a un YouTuber, il a fait la vidéo. Il a sorti avant nous. Mais nous, on voulait faire cette vidéo. Ça fait un moment déjà. Ouais. Et comme, attends, comme c'est tombé le Ramadan, comme le Ramadan est tombé, et là, on a plein de mois du Ramadan. Eh ben on s'est dit ouais bon du coup on va le faire après on va le faire après Ramadan. Mais là il y a un youtubeur, là il y a un youtubeur, il a fait, on s'est dit bon on peut pas laisser ça comme ça, on est obligé de la faire parce que si on la fait après, c'est en fait ça, là, ouais. c'est le lancement quoi, c'est le lancement tu vois, et ouais. Si on la fait après, ben on sera en retard déjà et ben ça va flop parce que parce qu'en gros on sera pas dans le move, on va dire. Enfin bref, donc voilà, comme je l'ai dit, là c'est le Ramadan, là on va le faire le truc en mode à jeun. Ouais. Il est quelle heure là? Il est 17h28. Ouais. Dans le temps d'arriver, le temps de se préparer, de s'échauffer. On va sûrement commencer vers 18h. À savoir qu'on mange à 20h30. Donc il sera 18, 19, 20. Il nous restera. Ah non, bah après 1h. Il nous restera après 1h30 pour tenir avant de manger. C'est-à-dire qu'on sera quand même fatigué, etc. Mais vous inquiétez pas, les Khayos. Ouais, j'ai pas compris aussi le délire. Oh, comme par on tient le coup et on va faire ça. Ouais, oh, c'est tombé le Ramadan, tout le monde a commencé à sortir. Ouais, laisse tomber. C'est comme par hasard, genre. C'est tombé le mois du Ramadan et tous les challenges ils sont sortis. Les 1000 pompes, les 500 tractions. T'en as un, il a fait les squats. Les 1000 tractions, les 1000. D'autres, c'est 100 pompes en 30 jours, etc. Ouais, enfin bref. Donc voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez s'il y a des challenges que vous voulez qu'on fasse. Là, bah, on va faire le 500 tractions. On espère que bah, on va réussir. Et voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, là c'est en mode agent. Et du coup, non, on va réussir easy. On se met une contrainte. On se met une contrainte supplémentaire. J'ai envie de battre, ouais, le record. Après, c'est vrai, avec contrainte supplémentaire, on sait pas comment on va réagir. Ouais. Nous, on vous déconseille de faire ça, de vous entraîner à jeun comme ça et tout. Nous, personnellement, avant, on l'avait déjà fait. Ouais. Franchement, c'est pas conseillé de s'entraîner à jeun comme ça. Tu peux faire des malaises. Surtout s'il y a une grosse intensité. Là, vraiment, on va essayer de gérer la chose de manière à ce qu'on puisse bien récupérer. On va trouver une bonne stratégie. Franchement, nous, la stratégie qu'on va prendre, c'est la même stratégie du youtubeur qui l'a fait. Ouais. On va faire 5 tractions par 5. 5, 5, 5, 5, 5. Et jusqu'à la fin, quoi. Enfin, bref, de toute façon, on va gérer tout ça dans le tas. Là, on va arriver et on se retrouve juste après à l'entrée du parc. On va sûrement grimper le portail, je pense. Donc, à toutes. Bon, les Khayos, là, on vient de grimper le portail du parc. Donc, bien sûr, c'est quelque chose que vous devez pas faire. Mais là, depuis tout à l'heure, il y a des chiens, ils commencent à nous aboyer dessus, là. Moi, je savais pas qu'il y avait un chien ici. Parce qu'il y a, il y a une sorte de bar, en fait, ici. Et vu que c'est fermé, ils ont mis des chiens qui font la sécurité. En fait. Juste un truc. Normalement, ce parc, il n'y a pas autant de verdure comme ça. Et depuis le confinement, il y a grave de trucs à pousser. C'est chaud, non? Après, ça fait longtemps qu'on n'est pas vu. On espère on espère juste qu'il y a assez de bars pour qu'on puisse faire, moi et Sofiane, le challenge en même temps et pas qu'on puisse tourner à chaque fois. Ouais. Parce que je crois, selon nos souvenirs, ils avaient fait des travaux ici. Et ils avaient retiré des barres. Ouais, ils ont défoncé les barres. Ah putain, je crois qu'il en reste qu'une seule, frère. T'as dit qu'il en restait une seule? Oh non. Je t'ai dit, frère. Une chaise, tant mieux. Ouais, une chaise, tant mieux. Ici qu'on va faire le challenge. Mais sinon, on peut le faire là-bas. Hein. Oh, il y a qu'une seule barre. Mais non, mais là-bas. C'est quoi là-bas? Là-bas, c'est un truc de dips, tu vois. Mais pourquoi il est un peu plus haut le truc là? Non, il a toujours été comme ça. Non, mais c'est un nouveau truc ça. Ah, je sais où on va le faire sinon. Donc, on va le faire soit ici. Ou soit là-bas, mais en mode marteau, mais c'est nul. Ouais, non, non. Bah attends, c'est quoi ça? Je fais quand même visiter un peu le truc. Je veux voir.
Bon, on est venu dans un parc parce que nous, on n'a pas des bars chez nous. On est dans un appartement. On n'a pas une maison, on n'a pas de jardin. Bah ouais, en fait, sans ça, en fait, on n'aurait pas pu faire le challenge parce que on n'a pas de bar à la maison, on n'a pas beaucoup de place. Et d'habitude, nous, les tractions, on les fait sur la porte, comme vous avez pu le constater dans les vidéos qu'on a fait training. Et du coup, faire les tractions comme ça, le challenge avec la porte, franchement, c'est tendu. Là, non, ici, un devant. Comment ça? Ici, là? Genre un qui est là et un qui est non, là-bas. Là-bas, dans le truc de l'échelle? L'échelle? C'est trop court, on va être là comme ça. C'est trop ici, court. C'est trop court, ici. Et là-bas, dans l'échelle, peut-être, ça peut être. Un ici, un autre côté. Mais. On fait avec la chaise là-bas? Ouais, je crois qu'on va faire la chaise là-bas, c'est une vraie barre. Elle est plus large, là, c'est trop serré. Putain, y'a quoi là? On a peur, oh. Oh, vas-y, oh. Oh, le parc, il est tellement abandonné depuis le confinement que vas-y, il y a des sangliers, il y a même des. Il y a des renards, il y a des loups, frère, ils vont sortir. C'est là, non? Putain, t'as vu toute la verdure qui a poussé ici? On met le trépied ici, un qui se met là, un qui se met là, non? À savoir, hein, pour les personnes qui peut-être qui se posent la question, on a pris toutes nos précautions. On a ramené du gel, on a ramené du sopalin, on va nettoyer toutes les barres. On a les masques, vous inquiétez pas, on est bien protégés. Bon, du coup, le verdict, c'est qu'on va pas les faire ici parce qu'ici la barre elle est trop courte, elle est trop. Y a pas assez de. C'est pas assez large. Wow, bon, on prend du coup, on va le prendre là-bas et même si on a qu'une seule, eh ben, on tournera. On fera chacun son tour. Voilà, quand moi eh ben, j'en fais 5, sachant que notre stratégie ce sera de faire 5 chacun. Ben voilà, c'est tout. Pour l'instant que moi je me repose, toi tu t'enchaînes. Et pour l'instant que moi je l'ai fait, toi tu te reposes. Donc voilà, ça va être ça la stratégie. Là, on va s'échauffer et on va nettoyer les barres. Et après, bah, on se retrouve pour le challenge. Let's go. Genre l'hygiène. Mais normalement, je pense qu'au bout de 1h30, le truc il part. Et en plus, je pense qu'il y a personne qui vient là. Bah ouais, vas-y, on sait jamais. On sait jamais, on sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent s'entraîner, hein, qui viennent grimper comme nous. Hein. Après, de toute façon, on se lave les mains, donc c'est bon. Ouais, mais même. On sait jamais. Bon, c'est parti les Khayos. On va rentrer dans le vif du sujet. Maximum de traction en moins de 1 heure. Ouais, là on va lancer le chrono avec le téléphone. Ouais. Et vu que là bah, on a posé la caméra avec le trépied, etc. Franchement on sait pas où on va le poser. On sait pas où on va le poser pour que vous voyez à chaque fois le timer. Mais toi, dans le montage, tu peux pas mettre un chrono, hein? Là, d'ici, on voit quelque chose d'ici ou pas? Ouais, mais il va tomber. Ouais, on voit, franchement, on voit, mais il va tomber. Hein. Sérieux? Et oui, il va pas tenir là. Tu fais un truc à la MacGyver, hein? Ou sinon, vas-y, bah de toute façon, on met le chrono, on le laisse par terre et voilà. Ouais. De toute façon, on essaiera de mettre un chrono dans le montage. T'arrives à faire ou pas, toi? Le problème, c'est qu'on va mettre des accélérés et tout, donc en fait, je sais pas si. Un chrono physique, genre. Ouais, je sais pas, on verra. Bon, on verra. On verra. On verra dans tous les cas. Je suis pas un pro du montage, ouais, donc dans je tous sais les pas, cas, nous, on n'est pas des tricheurs. Ça, c'est un challenge pour nous. Ouais. On fait ça surtout pour nous. Et parce que voilà, on est des compétiteurs aussi, on aime bien un peu on aime bien le challenge, mais challenge positif, voilà, c'est pas de la concurrence négative, c'est de la concurrence positive, donc voilà, on a envie de faire mieux que les autres youtubeurs, mais voilà, c'est vraiment dans l'esprit sportif, dans le dépassement de soi surtout, et voilà. Vas-y, ben, on met le chrono tranquillement, et ben, ce qu'on va faire, vu qu'il y a une seule barre, c'est que Marouane il va y aller, moi je vais y aller, Marouane il va y aller, moi je vais y aller. En gros, on va faire un flip-flap tous les deux. C'est-à-dire qu'on va dire plus ou moins le premier qui va y aller, il va déclencher le chrono. Et on va mettre peut-être 1 seconde ou 2 secondes. Tout dépend combien de. Même pas, de toute façon après ça va se corriger vu qu'on va prendre un peu plus de repos, etc. Juste t'enchaîne direct après et c'est tout. Donc voilà, en tout cas, là, on se prend pas la tête et c'est parti. Je lance le chrono. Quand toi tu commences, je lance le chrono comme ça. Commence moi ? Ouais, vas-y, commence toi. Bon, attends, est-ce que t'as lancé la caméra déjà ? On s'échauffe pas ? Ouais, vas-y, top. On s'échauffe pas ? Bah, je sais pas, on peut y aller. Hein. On s'échauffe ? Hein ? Bon, on s'échauffe un tout petit peu et après on y va. Bon, à savoir, on va essayer de les faire un maximum le plus propre possible. On a fait exprès de mettre la caméra ici. On a même pas de papier. Papier de quoi ? Pas des stylos. Ouais, mon contrat avec la tête, putain, on a rien ramené en vrai. Oh là là ! Je compte, 5, 10, 15, 20 et puis c'est tout. Voilà. Jusqu'à 500 ? Ouais, jusqu'à 500. T'inquiète, moi je les compte facile. Moi je compte les miennes en tout cas, après tu comptes les tiennes. Mais non, mais tous les deux on comptera les siennes. T'en fais 5, voilà, tu sais t'en as combien? 10. Bon vas-y, allez. 11, 12, 13, bon, voilà. On a merdé, on a complètement oublié le truc, voilà, comme quoi même quand t'es en manque de calories, bah tout. Bref, bon, on va essayer de compter avec la tête. Parce qu'il y a la vidéo pour voir le résultat. Bah vas-y, bah aussi on va essayer de faire les tractions propres. Bras tendu, pour surtout pas qu'il y a des quiches Lorraine, voilà, dans la vidéo, comme ça, dans les commentaires, qui vont commencer à nous dire oui, tu montes pas assez, tu fais pas ci, tu fais pas ça, alors que eux-mêmes, ils savent même pas faire 5 tractions.
Donc voilà, donc, j'ai vraiment posé la caméra exprès comme ça pour qu'on voit bien l'exécution. Et puis comme ça, il n'y a personne qui parle. On fera un coup devant, un coup derrière, pas ça, on va. Bon, allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Je pose le time en bas. Bon, la stratégie, c'est de faire 5 par 5. En une heure, franchement, c'est faisable. Minutes. Chaud quand même, hein. Chaud, ça fait 10 en 1 minute. Ouais, non. C'est 500 en 1 heure. Ça fait 3 points. Maintenant sur le mode Super Saiyajin 108 Super Saiyajin God. Oh, c'est dur, mais je positionne même pas. Moi, on ira jusqu'au bout. Vas-y, vas-y, pas de temps. On ira jusqu'au bout. 108. Ça sera mieux là. Je sens beaucoup plus léger là. Le son dans la barre. Et tu t'en bats les couilles, c'est mon son en moi. Tiens, mets-toi sur pas là, s'il te plaît. Non, non. C'est pour ça que je dis ça. Non, je me désaffecte pas. Je suis obligé. Bon, un maximum de plus, t'es Khayos. Y'a plein de sang partout. On va pas lâcher jusqu'à la fin. Oh, je suis pas fragile de base. Mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à pisser le sang. C'est de la merde, cette barre. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai, frère? Allez, go, 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 go. Je fais ramadan, frère, tu me dis qu'est-ce que j'ai. Voilà, frère, quand je crie, je me sens.
mieux là. Allez, 160. Pas à faire. Vas-y, go, go, go. On se revient. On commence à se sentir mal. Franchement, c'est chaud, tu vois. Là, on commence à avoir un peu de malaise. Mais bon, on a plus de la moitié. Là, on est parti sur 2. À chaque fois, 2. Pas facile, hein, pas facile du tout. C'est propre, c'est simple même. C'est trop simple. Oh, tranquille là. Coco. Ah, mais vas-y, c'est bien. Ça va, non? Voilà, c'est chauffé. C'est là. Bon, allez, ça m'a saoulé. En plein milieu, là. Allez. Là, je suis en retard. Je faisais 2, là, je repars sur 5. Ça m'a saoulé. Allez, vas-y, j'essaie d'en faire 5 moi aussi. Mais allez, go. Ça, c'est reposé. Voilà. Musculaire, après je sais pas c'est par rapport à l'hydratation, mais c'est pas musculaire, c'est pas musculaire. Ouais, j'arrive pas à congestionner, j'arrive bien parce qu'on a pas bu en fait, on n'est pas déhydraté et on n'a pas de calories, on va dire. Donc, du coup, on congestionne pas, mais ça on va dire c'est nerveux. En fait, c'est pas musculaire, je sais pas, c'est ouais, c'est une fatigue bizarre. On va. Ah. 398. Oh, j'avance trop lentement. Bon, 420 pour moi, 398. 398, ouais, 398. Pour Marwan. Donc voilà, là on a marqué une petite pause un peu plus longue. Marwan il a fait un petit malaise. Ah. Donc voilà, 400. 400 pour Marwan et 420 pour moi. Je commence à avoir grave mal à l'épaule, moi. Voilà. Marwan, il a fait un petit malaise. Moi, j'ai continué. J'ai fait que 20 plus. Bon, c'est... Vas-y, on peut pas. Non, on fait que 2 ou 5. En fait, on fait 2. Ensuite, on se repose, on repart sur 5. Là, j'ai réussi à faire 5. Là, on va essayer d'accélérer. Parce que je crois que vu comment il est parti, on va faire ça. J'ai mal à l'épaule. Encore 40. Voilà, il est 45. Encore 40. Je vais aller à fond, je m'en bats les couilles. Vas-y, go, go. Je commence à prendre trop de retard. Je prends des plus grosses pauses que lui. En fait, on contrôle trop la descente. On a trop l'habitude, nous, quand on s'entraîne, on contrôle la descente. Et ça nous fatigue, grave. Environ 15 minutes pour en faire 50. Vas-y, enchaîne, moi j'ai mal à l'épaule, vas-y. Les gens Baptiste là, et les gens quiche là qui vont commencer à me dire oui, j'ai des tractions, elles sont pas correctes. Je commence à arriver vers la fin, j'ai mal à l'épaule. Ne faites pas chier les gars. C'est combien ? 56. Il est à 456. Moi je suis qu'à 430. Franchement, c'est chaud.
j'avance trop doucement là. Putain, 60. Encore 40. Allez, Marvin, allez. Là, je l'ai fait pour mon frère. Il m'en reste 20. Voilà, je l'ai fait pour mon frère, il est fatigué. Je vais tout donner pour lui. Moi, c'est le chrono. Voilà, 51. Il m'en reste encore 20. Voilà. Il est 52. Vas-y, go, 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 go. Bon les Rayos, dégoûté. Putain. Oh là là, vas-y là. Qu'est-ce que tu sous là? T'es pas sérieux frère? Je sais pas, il a reboot tout seul. Mais vas-y, c'est n'importe quoi ça, vas-y. Décidément c'est trop. Bon, je vous dis la vérité, là il nous est arrivé une grosse poisse. Vas-y, allez. Maintenant croira qui pourra. Ok. Mais vas-y, c'est bon, y'a pas un truc à retour ou un truc? Non, y'a pas de retour. Je te jure, il a fait. Vas-y, il a que des quiches là. Il a fait reboot tout seul le truc. Et pourquoi tu l'as fait? Moi j'ai fait 1h06. Voilà, j'ai pas tenu le truc. T'as fait combien? 57? J'ai fait 55-20. 55-20? 55-20, mais en blablabla, blablabla, et on voit que le téléphone il était fermé. Voilà, la vérité, voilà. Moi je suis dégoûté là, je vais fermer le truc. Et vas-y, moi j'ai même pas envie de filmer. Là. Donc on était là, je me suis déchiré. En plus là, je commence à grave galérer et à la fin, je me suis déchiré. Bon, certes, elles étaient pas propres, mais j'ai commencé à lâcher plus de 5. Je faisais des séries de 6. Mais vraiment, genre moi je prenais vraiment l'élan, donc du coup elles étaient pas archi propres. Mais voilà, j'ai fini à 1-6. Je galère à parler là, je suis en mode malaise là. Et là on vient, on regarde que le téléphone il avait plus de mémoire. Il s'est arrêté à combien? Il s'est arrêté quand j'ai dit que j'étais à 480. Voilà, j'ai regardé tout à l'heure, il s'est arrêté quand j'ai dit que j'étais à 480. Il m'en restait 20. Je crois que j'étais à 47 minutes, je crois. Moi, il m'en reste 43 minutes, je crois que j'étais à 43 minutes, il m'en restait 20. Voilà, 51. Il m'en reste encore 20. Voilà. Il est 52. Vas-y, go, 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 go. Je crois, moi, il m'en reste à peu près 30. Moi. Un peu plus de 30. 456. Voilà. Et là, genre, en gros, on a galéré. Sur les dernières. Vas-y, là, il y a trop moustique. Et là, on arrive et on voit que le truc, il a pas filmé. On voit que le truc, il a pas filmé. Et en plus de ça, là, devant, je suis sûr que ça va s'arrêter là. Hein. Bref, devant vous, il y avait 1h06 là, juste en bas. Marwan il prend le téléphone et ça reboot le chrono. Bref, on a fait le challenge en mode ramadan. Donc on n'est pas là, on va jamais vous mentir. Moi j'ai fait 55 minutes 20. Franchement c'est chaud. La vérité c'est chaud. Je sais pas si c'est par rapport au ramadan, mais c'est chaud. Marwan il avait mal à l'épaule. La vérité, Marwan il le faisait propre quand même. Il avait mal à l'épaule, il le faisait quand même propre. En fait, vu que j'avais trop mal à l'épaule, j'étais obligé de contrôler les descentes parce que sinon en fait, tu vois, si tu fais la traction et que tu relâches tout comme ça. Tu commences à te prendre une putain d'élongation sur l'épaule et à la fin c'est bon, tu te blesses en fait. Ouais. Et du coup en fait j'ai toujours obligé de contrôler, mais franchement à force là j'ai trop mal. Ouais. J'ai trop mal à l'épaule. Donc voilà, petite conclusion, au début qu'on a commencé, on a commencé avec 5, on faisait 5. Mais en gros de base on a l'habitude de faire des tractions. Donc des tractions par rapport aux pompes. Les pompes c'est un peu rare qu'on les fait. On les fait des fois à l'entraînement, mais c'est un peu rare. Les tractions dans tous nos séances à chaque fois on les fait. Ok, donc de base traction c'est à nous, tu vois, on fait des tractions. Maintenant, nous les tractions qu'on les fait, on contrôle en fait la descente. Et en fait, on a trop eu l'habitude de contrôler la descente. C'est que là, en fait, qu'on a commencé, on contrôlait bien la descente. Au bout d'un moment, on commence à trop contrôler la descente, ça nous a fatigué. Bref, après, bon, on faisait 5-5-5. Après, au bout d'un moment, on est passé sur 2-2-2-2-2. On s'est reposé, après, on est reparti sur 5-5-5-5. Et après, on a accéléré, on a ralenti, accéléré, ralenti. Bref, 55 minutes 20 pour moi. 1h06 pour Marwan. 1h06, hein, c'est pas 6 minutes. Secondes, ouais, c'est 1h06. Donc voilà, franchement il a fait chaud, la personne, le youtubeur qui a lancé, ça fait comment? Bazinga. Ouais. Le youtubeur qui a lancé, il fait 90 kg le mec. Franchement respect à lui. Franchement,
Franchement, respect à lui. Nous, on le refera peut-être ce challenge après le Ramadan. Sûrement, je sais pas, on verra. Dans tous les cas, voilà, nous, on l'a fait surtout pour nous. Donc voilà, après, voilà, on a donné du mieux qu'on peut. Personnellement, je pensais vraiment faire, faire un meilleur score que ça. Moi, je pensais faire un meilleur score que ça et je pensais pas que ça allait autant me. Parce que une heure quand même, tu vois. Me flinguer au niveau. Là, je suis en mode. Là, je suis en mode. Comment on peut dire, je suis en mode malaise là. Ouais, Marouane, il a fait un petit malaise. Marouane, il avait fait un petit malaise, il s'est reposé, c'est pour ça. Je pensais pas que ça allait autant me flinguer que ça. C'est pour ça qu'il a perdu du temps. Ouais. Autre chose, donc voilà, respect au youtubeur qui a fait le record. Nous, clairement, on est des compétiteurs, mais des compétiteurs positifs, donc pas négatifs. On a voulu battre son record. Mais franchement, le mec, il fait 90 kilos. 90 kilos, il a fait en. Le mec, il fait 90 kilos, il a une endurance de ouf. Bon, je vais mettre endurance musculaire de ouf. Bref, donc voilà, là, on se fait défoncer par les moustiques. On est dégoûté, la vérité, j'ai envie de tout casser. Le chrono, le téléphone, il s'est arrêté. Il s'est arrêté quand j'étais à 420. Donc voilà, il m'en restait 20 dans après, tous les le cas. Truc, voilà. C'est que vu qu'en fait, on laisse tourner. Ouais, parce qu'on a tourné un vlog. Et oui, t'imagines que le truc, il filme pendant plus d'une heure. Les mémoires, elles prennent vite. Là, j'ai dû effacer grave de contenu que j'avais sur le téléphone. Des contenus importants, t'avais vu, juste pour faire de l'espace. Et là, on va savoir s'il faut. C'est... Non, ça filme toujours. Voilà, moi je me suis désinfecté tout à l'heure. J'avais crié de ouf. J'avais montré plein de choses. Il y a rien qui a été pris. Bref, voilà, on s'en fout. Mettez un maximum de likes, les Rayos. On a quand même fait le challenge. Voilà, on n'a pas battu le record. On l'a fini avant une heure, en moins de une heure. Toi, t'as fini en moins d'une heure. Voilà, moi j'ai fini en moins de une heure. Marouane en 1h06. En vrai, 1h06, c'est une heure. Voilà, 1h06. En vrai, c'est 1h04. Ouais. En vrai, c'est 1h04. Jean parce Baptiste, que t'as qui en parlait. Il est descendu, etc. Il est venu, on a appuyé sur le bouton. Donc, on va dire 1h04. 1h04 secondes. Donc, on va dire 1h. Moi 55 minutes, mais c'était juste. Donc voilà, on n'a pas battu le record, mais on l'a quand même fait. Donc voilà, pour les personnes qui veulent le faire, je vous invite à le faire. Pour les personnes, Qui font le Ramadan et qui veulent le faire, le faites pas. Franchement, ça sert à rien en vrai. Enfin, c'est dangereux en fait. Bah, la vérité, ça dépend. C'est pas un truc grave cardio. Donc voilà, on va se laisser pour ça, les Rayos. Abonnez-vous à la chaîne, la cloche, mettez le pouce. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, tout est dans la description et on se fait sur ça les Rayos. Hasta luego.